Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. La dernière fois, je vous avais montré une vidéo sur un Yop Neo 110 que je jouais feu. La vidéo sera en fiche si jamais vous l'avez loupé. Aujourd'hui, je vous présente un sacrieur que je vais jouer R. Toute la complexité d'un stuff aussi singulier que celui-ci résulte d'une alchimie savamment exploitée entre d'une part un équipement full agi et de l'autre une relique de l'ancien monde, l'épée du rat blanc de la version 1, associée à une faille de la 2.62 ainsi qu'à une technologie de la 2.63. Rien compris moi. Bon, les refs, je vais vous parler français. En gros, avant, l'épée du rat blanc ancien G faisait pour 5 PA une ligne de dégâts R ainsi qu'une ligne en vol de vie neutre. En 2.62, l'épée elle a changé. Les mecs d'Ankama, ils en avaient marre d'avoir un cac qui se fasse bolosser avec le nom rat blanc dedans, une épée emblématique de Dofus. Sauf que personne l'équipait, du coup ils ont fait un stuff feu haut, d'accord, où l'épée était intégrée à l'équipement et le cac fait des dégâts feu haut, non pas pour 5 mais pour 4 PA. Sauf que les épées du rat blanc qui étaient déjà en circulation avant cette mise à jour, elles ont conservé leur ligne de dégâts R et vol de vie neutre, mais au lieu de taper pour 5 PA, bah forcément elles tapent pour 4 PA désormais. En 2.63, on a vu apparaître les gravures qui permettent de FM une ligne de vol de vie neutre sur les armes dans l'élément qu'on souhaite, ce qui fait que notre épée du rat blanc ancien G, on peut FM la ligne de vol de vie neutre en ligne de vol de vie R, ce qui nous donne une épée de ouf pour 4 PA avec un taux de crit de 25%, ce qui est énorme, et 10 dommages crit supplémentaires sur 2 lignes R, c'est un truc de fou. Alors derrière, les stats, on s'en fout, ça donne de la chance, de l'intel, on met tout en vita, d'accord? Et ça permet d'avoir un stuff où on a quand même pas mal de vie, et surtout, avec l'équipement que je vous montre, on a des dégâts vraiment pas dégueu, c'est tout l'intérêt, hein, ok? Donc pour le stuff, on est sur un double plantala, bot, amulette pour avoir des crits, double anobrac, cap miloubar, coiffe bindoul, après ici j'ai un bouclier choudinite pour les crits, ok? PA, les exo PA, c'est toujours sur les boucliers les refs. J'ai pas d'exo PM, donc je mets un voyageur remueur avec la ceinture fulgu. J'ai 11 PA, 6 PM et forcément la dragodinde émeraude ébène. 61% de chance de crit, le CAC pour 4 PA, c'est un truc de fou. On fait un moins 1000, on fait un moins 1000. Il y a une ligne en vol de vie, je vous rappelle. Je vole de la vie en tapant. Après, on reste un sacri. On tape, on fait les furies, on est là pour forcer, on va faire du 1v1. Ok, contre un steam, T1 je fais que la mutile, je vous explique pourquoi. Normalement je fais mutile, libation, épée. Le truc c'est que les mecs des fois ils me rushent pas. Du coup ce que je fais c'est que je fais la libation plutôt T2, j'envoie l'épée au T2 et je tamponne un tour de plus quoi. Avec la maîtrise, tout ça, parce que souvent il recule. Bon après lui il avance, bah c'est cool, en vrai tant mieux pour moi, tant mieux pour lui. Il se passe quelque chose dans les deux cas. Bon, est-ce que je peux tuer sa harpo? Elle a 900 HP, il est trop marrant lui. Il me donne sa harpo. En fait, il a cru que j'étais un cochon et qu'il me donnait à manger, là. Là, en vrai, je vous dis, il m'a donné une croquette. Bon, la furie, ok, et le coup d'épée, mais... Oh, mais what the fuck? Mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller là. Qu'est-ce qui se passe? Le coup de cac, j'ai one-shot l'harpo, il n'y a même pas eu la deuxième ligne. Alors, la liba, du coup, tranquille, je pourrais avoir de la régène. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah ouais, mais il va reculer de ouf. Je l'ai surestimé, je me suis dit... Peut-être qu'il me fait une harpo en crit, une embuscade, pardon, en crit. Peut-être que ça peut me torcher. Bah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai fait le fragile de ouf. Ça, tu vois, Aspico, ça se voit que t'es pas un mec de l'école Jules Ferry. Parce que à Jules Ferry, les mecs, bah, je les préviens. J'arrive en classe et je leur dis, bah, voilà, sur Steam, faites ça, jouez pas ces stuff-là. Là, soit, si t'étais à l'école Jules Ferry, j'aurais pas pu te choper. Vous avez vu le coup de cac? Coup de cac à moins 1000. Coup de cac à moins 1000. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Le moins 1000, j'en connais, hein, j'en connais qui sont capables de faire des coups de cac à moins 1000. Le truc, c'est que souvent, ils sont au niveau 200. Bah, concrètement, on parle français. Bon, après, là, le mec, il abuse de sa classe, ça se voit. Moi, j'ai rien contre ça, en fait, ce que vous voulez, vous jouez comme vous voulez. Mais là, ça se voit que ça cheat de ouf. Donc là, ça me met une tactique, ça me pousse la tactique, ça me repousse derrière. Je suis obligé de le bloquer comme ça, et je suis même pas sûr que ça suffise. En Kama, les maps, elles sont trop grandes. Les maps, elles sont trop grandes. Et moi, sur mon sacré à ce level, j'ai pas la project. Il manque des sorts. Je peux pas jouer pleinement ma classe. Alors, je reçois des commentaires souvent des mecs qui disent « Ouais, Rémi, en vrai, tu te plains, t'as qu'à up niveau 200. » Et les mecs, vous sortez d'où, en fait? J'ai déjà fait du QI 200. Le truc, c'est que quand je QI 200, je m'endors. En colis.
Et je me réveille 3 tours plus tard. Il se passe rien niveau 200. En fait, niveau 200, c'est ça, le colis. Il met 3 tours à démarrer. Et puis derrière, si t'avances en premier, t'as perdu, tu te fais one shot. Et derrière, t'attends les bras croisés comme ça, 15 minutes que le colis se termine. Non mais c'est n'importe quoi. Moi je vous dis, les 200, c'est les victimes de Dofus. Vas-y, contre un sacri, tranquille, tac tac, on envoie l'épée, je fais la maîtrise, j'oublie toujours la maîtrise, en même temps j'ai mis sur ma deuxième barre de sort. Quel idiot, tac, on avance. Alors, Blood, moi en vrai, j'ai rien contre les faibles. D'ailleurs, je les protège souvent à cours de récré, je leur dis, ouais, on s'arrange, vous donnez les desserts à la cantine, et on vous assure une protection totale. Donc tu vois, je coopère avec les fragiles. Le seul problème, c'est que si t'es fragile, tu joues pas niveau 100-110. Parce que tu peux jouer niveau 200, mais pas 110. C'est quoi ce bouclier? C'est quoi ce bouclier? Ah mais tiens, parce qu'il me fallait des résistances. On s'en fout, on est niveau 110. Assume. Vas-y, tranquille. Je vais pas m'énerver. On s'avance, assaut. What the fuck, le Rox? What the fuck, c'est... Attends, c'est Dofus, ça? C'est Dofus ou Wakfu? Parce que Wakfu, c'est pareil, hein, Wakfu. Et ils me font trop rire, ceux qui jouent à Wakfu. Bref, on a beaucoup de points de vie sur Wakfu, mais on fait des dégâts de malade. Là, j'ai l'impression, sur Wakfu, vous avez vu le coup d'épée à moins 800, sachant qu'il est en charge 7. Charge 7, ça veut dire 80% de réduction environ. Bah, juste, ça torche, ça fait des dégâts de malade. Bon, 1000 de vie, Blood. Sérieusement, tu me vois en souffrance 7? Tu me vois en souffrance 7, faire des dégâts, faire un moins 700 de mon full tour? Mais tu te fous de moi ou quoi? Un moins 700, c'est juste mon coup de cac, et encore? Arrête de jouer un stuff de fragile. Vas-y, je vais le punir. Tac. Alors, c'est pareil. En vrai, le cac à 4 PA, c'est pas mal parce qu'on peut claquer des berserks et derrière, on peut faire double action 3 PA plus le coup de cac. Donc... C'est quoi ce jet de merde en Kama? J'ai trouvé la faille du jeu pour taper fort et vous me faites que les jets les plus merdiques. Il me fait du moins 120. Il me fait du moins 120. En Kama, je perds contre ça. Je perds. Ok, contre un Kra, j'espère avoir un peu plus de chance. Je demande pas la lune. Je demande juste de faire les crits. Alors si certains estiment que c'est trop demandé, je vais arrêter les vidéos. Et moi, les refs, je fais ça pour vous, encore une fois. Je fais ça pour vous. Il y a encore beaucoup trop de lacunes. Il y en a pour certains, vous faites n'importe quoi. Alors il a une cape de classe, c'est beau, hein. Et il me fait des flèches enflammées à moins 230. Il y a des lacunes là aussi. Moi, mon Kra avec les flèches enflammées cap de classe, elles font du moins 400. Je dis ça, je dis rien. Et c'est pas les Kamas qui manquent. Encore une fois, vous avez le droit d'être pauvre. C'est pas un problème. Mais là, des fois, c'est au-delà de la pauvreté, hein, les soucis. Oh, les dégâts de ouf. Oh, la faille. Bon, je vous ai pas fait de vidéo pendant quelques temps. Je vous avouerai, j'ai eu quelques soucis. On avait essayé de faire la fugue, j'avais dit, en gros, on gratte un mur, on met un petit chapeau mexicain pour faire croire qu'on s'est fait kidnapper par le cartel. J'avais dit de pas prévenir Morgane sous peine de se faire cafeter. Morgane, elle a tout balancé. Bravo les mecs. Heureusement qu'on a dit que c'était un plan de Kevin, il a pris 2 heures de TIG. Mais on était à ça de la connerie. Tant pis. Allez, coup de cac, c'est bon Kama, vous pouvez me laisser le crit, maintenant ça sert plus à rien. C'est un truc de ouf. Vas-y, un Sadi, il tente de communiquer avec moi, je sais pas s'il me veut. Il y a de la chance d'être en 1v1. Parce qu'en fait, en 3v3, le Sadi, on l'aurait code H, il n'a rien compris. Alors, en 3v3, les mecs, niveau 110, c'est pas compliqué. Vous êtes avec un Sadi, vous mettez un petit H. Mettez un petit H en canal général. Si votre allié avec vous, il met un H, ça veut dire vous torchez votre Sadi. Il kiffe, les mecs ils kiffent, ils se réinscrivent en cul derrière. Genre c'est un jeu pour eux. Et moi c'est trop bien parce que du coup, on peut permettre à des joueurs qu'on n'apprécie pas forcément aussi de base, de s'amuser. Et vraiment, ils s'amusent. Bon, il faut que je le tacle, je torche son truc, tac, une flamie je pense ça suffit, hop. Et puis là je le tacle, et là en fait, là vous avez pas le son, il est en train de chialer.
Il est en train de chialer, c'est pas du fake. Pourquoi j'ai une classe de merde? Pourquoi j'ai... Il est vraiment en train de pleurer, je vous assure. Bon bref, pas grave, je le torche. De toute façon, c'est juste un fond la vidéo, c'est aussi pour vous parler de cette histoire de fugue. Alors, du coup, Kevin, il prend son TIG. En même temps, Kevin, tu l'as bien mérité, quoi. Moi j'ai dit à Madame Poitou, Madame, c'est Kevin, il abuse toujours, il nous propose des plans farfelus. Putain, mais il m'a mis à 0 PM, il m'a mis à 1 PM, quoi, ce bouffon. Il m'a mis à 1 PM, il se prend pour qui? Il se prend pour qui, en fait? C'est trop. Bon, on fait ça, tac, par contre, je suis collé à un arbre. C'est pas grave, Fury, tranquille. Pas de freelibé. Et puis l'épée, à l'occasion, elle pourra le tacler, mais là, elle est en 1v1 contre la bloqueuse. Du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai trouvé un stage dans l'entreprise du père de Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu, je me régale. Et d'ailleurs, petit message à ceux qui ont leur stage et qui sont dans la guilde. On a besoin d'XP la guilde. Là, le niveau 43, il faut passer rapidement au niveau 100. On passe pour les tocards sur tout le serveur. Donc, on passe la guilde niveau 100 et peut-être que prochainement, on pourra s'amuser un petit peu et recruter plus de joueurs. Donc, ceux qui ont leur stage, je vous dis, le truc à faire, c'est de simuler l'asthme. Je vous montre comment on fait, mais d'abord, je fais mon tour. Putain, il est insupportable. Oh, ils sont insupportables, je vous jure. Bon, j'ai bientôt la transpo. Tac, tac. Je sais pas si je tue l'arbre, là. Flamiche, je pense. Ouais, quelques flamiches. Je sais pas quoi faire. En vrai, j'ai trop de... C'est ça, en fait. En Kama, il me faudrait plus de sorts de mobilité. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir la pénitence à mon level et pénitence les adversaires aussi? Je propose juste. Hein. Donc, je disais, ceux qui ont leur stage. Par exemple... je sais que Léa, elle a un stage en supérette. Léa, ton patron, il arrive. Léa, t'irais pas me chercher une briquette de lait? Ok, tu fais 3 pas. Monsieur, je fais une crise d'asthme. Il panique complètement. Et ce que tu fais en ces cas, tu dis, il faut que j'aille m'asseoir quelque part. Donc il va te mettre dans une pièce. Et toi, ce que tu fais, Léa, c'est que tu prends ton PC portable. Tu prends ton PC portable et puis tu farmes, tu fais du colis en attendant, il faut qu'on XP la guilde. Et ceux qui ne farment pas suffisamment sous prétexte qu'ils ont leur stage, juste on vous kick de la guilde, d'accord? 2-1, ça c'est la première mesure. Je tente le kill, vous allez voir parce que c'est insupportable, je vais pas le laisser marcher dessus. Tac, tac, dégage. Donc ceux qui farment pas assez pendant leur stage, on vous kick de la guilde. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la cantine, on vous chope vos desserts. Arrêtez d'être des victimes, jouez à Dofus, même si vous êtes en stage, simulez d'avoir de l'asthme, et ceux qui ne sont pas connectés tous les jours, on va vous prendre vos desserts à la cantine, pendant un mois, deux mois. Ok, un Steam niveau 102, par contre, il y a beaucoup de vie, et peut-être que c'est un mec qui joue Dopu, je vais regarder un petit peu s'il y a un Volcorn. Ouais, il y a un Volcorn. C'est chiant, c'est ma kryptonite. Parce que moi, c'est vrai, je suis un sacri, je tank avec ma souffrance, mais les mecs qui jouent Dopu, juste, ça cheat. C'est beaucoup trop fort. Je peux pas profiter de ma résistance avec la souffrance. Et ça, c'est complètement pété. En Kama, est-ce que, au bout d'un moment, mon sacri, il pourrait pas tanker juste un tout petit peu les dégâts de poussée? Par exemple, je sais pas, pour chaque stack de souffrance, j'ai 100 résistance poussée. Genre là, je suis stack 5 souffrance, 500 répous. Ça me permettrait en fait de tanker au moins la moitié, non même pas, 30% des dégâts que me fait le Steam. Il fait quoi là? Attends, je comprends plus rien là. Qu'est-ce qu'il fait avec sa tactique? Non mais attends, c'est complètement pété. C'est complètement... Le mec, il fait deux coops par tour. Deux coops par tour, ça choque personne. C'est n'importe... Non mais Ankama, c'est n'importe quoi. Tranquille, je vais torcher sa tactique. Il m'a saoulé. Tac. Chope la régène. En plus, là, il est en train de paniquer. Il est en train de paniquer parce qu'il se dit oh, « What the fuck, il y a plus de dégâts que moi et tout. Moi, j'ai claqué tous mes atouts, à savoir la tactique réelle. Il faut que je la remonte. » Alors là, il y a la relance, ok. Mais je vous assure, il est full paniqued là. Full paniqued. Donc, je disais, Ankama, nous faire tanker des dégâts de poussée, en fait, ce serait pas mal. Pourquoi il met pas sa tactique? Je suis sûr qu'il a la tactique. Hein. Il a la tactique, c'est sûr. Chat faire fou. Oh, il a pas crit, heureusement. Ouf, il a pas crit. Ankama, c'est quoi cette map? C'est quoi cette map de merde? Elle, ça pue la merde. Je veux dire, on dirait que je suis sur une map de CSGO, là. Je suis sur Dofus. J'ai jamais autant couru de ma vie. T'es un truc de ouf.
tranquille, on va pas s'énerver. Donc, transpo, on arrive là, heureusement. 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 Je peux encore faire quelques petits trucs. Ravage, coup de cac. Ah, faut que j'en profite. Mais du coup, j'ai plus la maîtrise. Eh, le mec, il fuit. Il fuit. Non, mais il fuit. Il a peur. Voilà, c'est ça. Il a peur. Vous avez le droit d'avoir peur, c'est juste qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il faut jouer à Dofus. Bon. Et vos trois, tranquille, il va peut-être me périscope, enfin, me longue-vue. Je regarde. Il peut pas me tuer. Impossible. Je suis beaucoup trop tanky. Et il a 1500 HP. En vrai, en full tour, je le torche. Et c'est ça qui est bien. Hein. Comme je vous dis, c'est ça qui est bien. C'est que vu que je fais mes actions pour 3 PA, mon coup de cac pour 4, bah, je peux berserk. Je peux berserk. Et puis, ouais. Franchement, il joue bien. Il joue bien. Berserk, Fury, Fury cac. Il y a peut-être moyen que je le torche. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Je dis rien. On va tester. De toute façon, vous savez, moi, je suis joueur. Même si je suis pas sûr à 100% que ça passe, je le fais quand même parce que derrière, je sais qu'il y en a qui attendent ce genre de moment pour mettre un petit pouce bleu. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Les furies à moins 700, le cas qu'il n'y a pas deuxième ligne qui s'affiche en prévisu, ça fait déjà du moins 800. C'est un truc de ouf. Ce mode, c'est un truc de ouf. Bon, les refs, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Encore une fois, à continuer mes vidéos, je me mets pas mal d'enseignants ados. Les mecs, ils ragent. Ils se disent, ouais, c'est pas un vrai métier. Gnagnagna. Et le pire, c'est Monsieur Bouvier, là, le prof de sport. Il rage de ouf parce que je lui dis, moi, je fais mieux, je fais de l'e-sport. Je fais de l'e-sport, je joue mon sacri, je mets les coups de cac à moins 1000. Il comprend rien, le mec. Il me dit, Rémi, fais le tour de piste. Fais le tour de piste. Arrête de te pavaner, là. Oh, tranquille. Il y en a qui sont faits pour le sport, il y en a qui sont faits pour les jeux vidéo. Donc, laissez un pouce bleu. Dites-moi si vous voulez une classe en commentaire en particulier. Moi, je peux tout jouer. Je peux tout jouer. De toute façon, il y a des classes, ok, j'ai dit que c'était cheat, je devrais quand même les jouer, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, et du coup, je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube.